Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face notre jeunesse congolaise, nos moments d'échange et des partages avec nos invités et nos experts dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir Prunel. Bonsoir Prisca. Votre bonsoir était un peu hésitant. C'est bonjour, c'est bonsoir. C'est bonsoir Prunel. Bonsoir Prisca. Mais bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Super, ça va. D'accord. Alors, quelles sont les nouveautés? Le Tongosa. Je vais être plus claire. J'espère que c'est des bonnes nouvelles aujourd'hui. Bonnes nouvelles avec cette ville de Kinshasa mouvementée. En tout cas, moi, je vous apporte quelque chose que j'ai remarqué. Vraiment, on demande à la SNEL de fournir un effort sur l'entretien de ces cabines électriques parce que dans la semaine, on a eu deux incendies dans les cabines électriques, oui. Un incendie dans la cabine électrique de Selembao, une pompe, qui a été causée, demandez-moi par quoi. Quoi, non? Je veux même pas imaginer. Par une bagarre de chat. Quoi? Très drôle, oui, non. Je sais. Comment mais un peu ridicule. Comment explique là. Tout simplement des chats qui se bagarraient dans la voilà, sans aller se retrouver. Leur petite bagarre les a emmenés vers la cabine électrique et dedans, ils ont brûlé. Hein. La cabine a pris feu. Et même, j'espère. Oui, même dedans, malheureusement. D'ailleurs, cette cabine qui prend au moins, qui plonge quatre communes dans le noir, donc la commune de Selembao, de Bumbu, de Makala et une partie de Ngalima. Dans le noir. On comprend maintenant hein, pourquoi hier, avant-hier, vous n'avez pas le courant. Voilà, exactement. Et aussi, il y a une cabine de Kassavou, la commune de Kassavou, qui a aussi pris feu, mais là... j'espère que les raisons sont... Non, là, les raisons de l'incendie sont encore inconnues pour le moment, mais il se peut que ce soit, je ne sais pas, une surtension peut-être. Alors il faudrait vraiment que les cabines électriques soient bien établies, bien entretenues aussi, parce que ce n'est pas une première. Hein. On a déjà entendu des cabines qui prennent feu comme ça. Oui. Et c'est vraiment le temps que le courant soit rétabli dans ces quatre communes. Vous imaginez le temps que ça va prendre. C'est un temps fou. Et déjà pour avoir le courant, c'est quelque chose. Et voilà, c'est ça et que ça arrive. C'est compliqué. En tout cas, j'espère, comme tu as dit, hein, que la SNEL va prendre en compte ceci et va faire quelque chose. Parce que le manque de courant, c'est quelque chose. Hein. Ah, quel calvaire. Ça met vraiment tout le monde dans une situation assez complexe. Voilà. Alors, Gracia, qu'est-ce que tu me rapportes comme Tongosa, s'il te plaît? Une bonne nouvelle. Et j'espère que les raisons seront pas si drôles. Bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais je dirais non. Je vais me mettre du côté des victimes dans cette histoire. Oh là là. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de ça dernièrement, disons tout au long de la semaine. Il y a des tensions vives au cœur du grand marché, donc le marché de Zando, où les commerçants indo-pakistanais sont sous pression. Ils sont littéralement menacés par les commerçants locaux, par les commerçants congolais, du fait que les commerçants congolais les accusent de monopoliser le marché local. Puis à cause de leur, on va être sincère, surpopulation, surprésence au sein du marché de Zando. Et alors, nos commerçants se sentent menacés. Et il y avait même dernièrement une grève à ce sujet. Donc, la situation est encore en cours et on attend d'avoir une solution. Mais jusque-là, les commerçants étrangers sont sous pression, sont menacés de fermer lorsqu'ils ouvrent. Il y a des commerçants qui sont là jusqu'à leur fermeture. Donc, ces derniers temps, ils ne vendent pas. Ils n'ouvrent pas. Donc la situation est sous tension et nous sommes en pleine observation et attendant de voir ce que la police ou la justice va décider par rapport à ça. Exactement. Mais c'est vrai que c'est peut-être un sujet, qui paraît anodin, mais c'est très, très important dans la mesure où si les commerçants congolais ont commencé à se manifester comme ça, c'est parce que d'une certaine manière, ils se sont sentis oppressés par leur présence. Puisqu'il faut être honnête puisque il paraîtrait que les commerçants étrangers bénéficieraient de certains avantages que eux, les locaux, n'ont pas. Et c'est justement pour ça que ça a encore suscité la révolte. Donc actuellement, nous sommes en pleine observation. Nous espérons que la situation va s'arranger à l'amiable, mais je pense qu'ils n'ont peut-être pas aussi tort, dans le sens que oui, c'est vrai que de nos jours, d'un point de vue de tout ce qui est commerce, les étrangers justement monopolisent un peu ces marchés-là. Ce qui fait que nous-mêmes qui vivons dans notre pays, on a l'impression d'être étrangers et qu'eux, ils ont la facilité de vendre des produits et tout, parce que voilà, il y a des fraudes, des taxes, tout ce qui va avec, qui donnent des pots de vin, du coup voilà, on ferme les yeux sur leur activité, des fois c'est sans contrôle, alors que quand il s'agit d'un Congolais, il y a tellement de pression, il y a tellement de... Voilà, tout le temps, tu vois les gens de la justice là qui viennent. On a l'impression que la justice est pour les étrangers. Exactement, parce qu'il y a de pots de vin qui reçoivent, on ne va pas se mentir, pour justement protéger ces personnes-là. Alors que non, nous, Congolais, je ne pense pas qu'un Congolais, tu vas aller faire tranquillement ton commerce en Europe, ou en Asie, ou comme tu dis, mais dans le secteur du commerce, je pense qu'il devrait y avoir une régulation. Oui. Je pense qu'il y en a déjà une, mais qui n'est pas suivie. Les étrangers, on va dire comme ça, n'ont pas droit d'être des petits revendeurs. Voilà, ils peuvent être des grossistes, mais quand ils commencent à eux-mêmes être des petits revendeurs, en fait, ils ne font pas la place qu'on les... Et l'État ne devrait pas permettre à ce que ces grossistes-là viennent. On voit de ces personnes-là, il y a des Pakistanais, des Indiens qui vont même faire du porte-à-porte pour donner des marchandises à crédit. T'as jamais vu ça? Non, non. Des téléphones, des appareils ménagers à crédit. 2 mois comme ça, tu prends des trucs de $300. Il te fait confiance à l'aveugle, tu vois. Et quand toi, tu es un Congolais, un petit revendeur, tu vas venir avec... tu as pris chez le grossiste, d'accord? Tu as acheté à un prix, tu veux revenir revendre ça à quelqu'un, mais tu as un autre prix. Quand ton frère congolais va voir ce même Indien qui est censé être grossiste, qui va venir avec ses marchandises vraiment au prix où toi tu as acheté, mais que tu as revendu un peu plus, évidemment, pour avoir ton bénéfice. C'est une technique. Voilà, mais personne ne va acheter chez toi. Voilà. Et tout le monde va se ruer vers ce grossiste qui va juste prendre l'exemple de la rentrée scolaire. Il y a aussi justement nos revendeurs qui vendent tout ce qui est cartable, tout ce qui va avec. Mais tu verras que tout le monde sont allés acheter chez justement ces étrangers, on va dire ça comme ça. C'est pas mauvais, ils ont le droit de vendre. Mais sauf que ces personnes-là vivent de ça. Tu vois un peu. C'est maman, c'est papa qui se réveille, ils vivent de ça. Alors, je pense que c'est vraiment dérangeant et on s'étonne qu'il y ait autant des crises. Voilà, parce que ces personnes qui, justement, en vendant, ils nous rendent service, ils vendent des choses. Et ça, c'est profitable pour nous. Et il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que dans notre propre sol, c'est nous qui devons d'abord avoir l'avantage et pas les autres. Aujourd'hui, en fait, tellement les étrangers, ils font tout qu'il n'y a plus de place pour qu'on fasse quelque chose. C'est ça. Et ça, c'est pas intéressant. Et autant, on doit vraiment prendre ça en rigueur. Autant qu'un Congolais ne peut pas aller faire ce même commerce dans leur pays, mais autant on doit être strict pour eux aussi. Parce que le problème, c'est pas question de racisme ou de quoi que ce soit. C'est qu'un pays et un système économique doit être structuré. Le Congolais doit avoir l'avantage à la main mise sur ce qui est du sol et du sous-sol. Mais aujourd'hui, on voit des stations d'essence chinoises. Mais comment, qui a permis à ce que ces stations chinoises commencent à naître en plein centre-ville? Il y a plein de domaines. Le centre de tous ces problèmes, c'est, excusez-moi, on est indexé, on le sait, notre pays est, je pourrais dire, overbooké. Il est noté dans la liste des pays les plus corrompus du monde. Chez nous, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. S'il a l'argent nécessaire. Ici, il n'y a pas de rigueur fiscale par rapport à d'autres pays. Les étrangers, c'est vrai qu'on a des normes, mais qui sont déjà très difficilement appliquées. Et quand on rajoute la corruption, c'est facile de les contourner. Vous voyez un peu, je ne dirais pas que c'est la raison principale pour lesquelles nous avons des commerçants étrangers, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles les commerçants malhonnêtes viennent ici. C'est justement parce qu'il y a une certaine facilité au niveau fiscal et surtout que nous sommes corruptibles, donc ils se permettent de venir et de faire ce qu'ils veulent. Mais là, maintenant, la loi, l'État permet, mais c'est maintenant la population qui subit. Et c'est tout à fait normal que ces commerçants puissent protester, puissent se révolter, puisque ce n'est pas normal. On ne peut pas perdre l'avantage sur notre propre territoire. Ça ne peut pas se faire. Donc, on reste en observation. On espère que les lois et les normes qui ont déjà été écrites afin de régulariser la situation puissent être cette fois-ci appliquées pour rétablir l'ordre. Bah, j'espère que l'État va justement prendre en compte ce qu'on a dit. L'office de contrôle. Oui. Surtout l'office. Et la justice. Et la justice, en ce moment, on ne va pas se mentir que le ministre des Justices essaye de faire vraiment de son mieux. Oui. J'espère qu'il va aussi revoir ces cas-là, justement, de contrôler. Très important. Tout à fait. Merci les filles pour ces actualités et réalités de la semaine. Je t'en prie. Alors, on va débuter l'émission. Comme toujours, nous débutons notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gracias. Juste après, nous allons vous présenter notre invitée du jour, une dame. Aujourd'hui, on n'a que des dames durant cette semaine, ce week-end. Et par la suite, nous allons passer à notre moment préféré, la table ronde. Et pour chuter le conseil du jour. Gracias, la citation, s'il te plaît. Alors, pour la citation du jour ou encore la parole que je vous apporte à ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0, elle nous vient de Monsieur Pierre Bourdieu, qui est un sociologue français considéré comme l'un des sociologues les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Et oui, bien évidemment, à ce jour, il est mort. Ah, mais ça m'aurait étonné. Ses œuvres, ses paroles persistent jusqu'à ce jour. Et c'est ainsi qu'il nous apporte comme parole ce soir sur le plateau de la Congolaise. La précarité de l'emploi est une forme de violence économique qui touche les plus vulnérables. Alors, les filles, ça vous parle comment? Non, mais... Ah, oui, ça va. Mais déjà que les plus vulnérables ont difficilement accès, justement, à ce... On va dire la formation, déjà, pour commencer. À ce, entre guillemets, privilège, mais encore si... ça devient un milieu précaire, c'est les plus faibles qui sont atteints, les premiers. On va se le dire, donc c'est... En soi, c'est ça. Ouais. En je soi, peux dire avant que toi, tu oui, bien sûr, bien sûr. Je te laisse commenter. Tu m'as embouillée. Alors, moi, je dirais que... déjà que l'emploi est très difficile dans notre pays. Vraiment, je ne sais pas si c'est combien de pourcents. Je vais éviter de dire le pourcent parce que je ne suis pas très sûre. Mais je sais que vraiment le taux d'emploi à Kinshasa est vraiment... très peu, et on a une population qui a plus de jeunes, déjà je crois que c'est 68%, 70%, et aussi, comme je vous avais parlé des vulnérables, les vulnérables ce sont les personnes justement, comme tu as dit, les non privilégiés, les personnes déjà pour qui avoir une formation scolaire ou académique est très compliquée déjà, alors si déjà ça c'est compliqué, et puis trouver du travail, c'est quelque chose où c'est très compliqué. Et en plus, si on n'a pas beaucoup d'emplois, si on n'a pas assez de perçus, les personnes qui doivent justement travailler, il n'y en a pas beaucoup. Et que c'est clair que l'économie du pays, ça ne va pas. Oui. Et tout part aussi de ça. Notre économie, on n'exporte pas. C'est ce que je vais dire. On n'exporte pas beaucoup, mais on importe plus. Ce qui fait que bah, on dépense beaucoup pour acheter des choses d'ailleurs, au lieu que nous-mêmes, nous puissions justement être... des revendeurs, c'est-à-dire on a des produits et on les revend. Et ça va aussi booster l'économie du pays. Oui. Donc ça fait partie des choses et moi je dis que c'est une bonne citation avec notre sujet. Tout à fait. Alors il faudrait déjà noter que dans la citation de Monsieur Pierre, lorsqu'il parle de, je dirais, de précarité de l'emploi, il entend tout simplement ces formes d'emploi qui manquent de protection ou de sécurité sociale. Un peu comme des emplois à temps partiel ou encore des contrats, comment je pourrais le dire, lorsque l'on assure des contrats par intérim. Ouais, oui, ce genre d'emplois qui ne sont pas vraiment assurés dans le temps. Vous voyez, ce genre d'emploi manque de couverture et de sécurité. C'est ce genre d'emploi qu'on appelle un peu précaire, puisque cela n'assure pas la sécurité qu'il faut aux travailleurs. Et il dit ce genre d'emploi, justement, est une violence économique aux plus vulnérables. Quand on parle de plus vulnérables dans la société, on voit généralement les jeunes et surtout les femmes. Vous voyez, et lorsque l'on propose ce genre d'emploi aux plus vulnérables, qui sont nous les jeunes et les femmes, et sans compter les autres vulnérables, cela est une forme d'atteinte atteinte du point de vue économique de ce genre de travailleurs. D'où pour lui, il se dirait que le mieux serait d'éviter des emplois précaires, mais plutôt des emplois qui se prolongent dans le temps pour justement assurer la sécurité économique de ces personnes qui sont considérées déjà comme vulnérables par la société. Donc c'était vraiment une citation adaptée, je crois, au thème du jour, qui a fait office d'introduction à la table ronde. Donc je pense que la suite, on en parlera. Évidemment. Oui. Merci, Gracia, pour ta citation. Alors, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, nous avons une invitée du jour, une dame, une jeune, très intéressante, que je vais présenter, qui est avec nous. Bonsoir, Naomi. Bonsoir, madame. Comment tu vas? Je vais très bien, j'espère. Oui, ça va. Merci déjà de nous honorer de ta présence sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie en tout cas pour votre accueil et de nous recevoir dans ces beaux cadres. Merci Naomi, merci pour cette positivité. Alors, qui est Naomi? Alors, Naomi Kidienga, je prononce bien j'espère, voilà, est présidente des étudiants de l'IFASIC. Voilà. Okay. Donc, INISIC, voilà. Je ne maîtrise pas un peu bien le nouveau, la nouvelle appellation. Oui. Voilà. Elle est coordonnatrice de la structure Appel du cœur. Elle est consultante en communication. Elle est entrepreneur. Elle est chargée de communication à la commission des étudiants entrepreneurs de la FNGEC, c'est ça? Voilà. Et je pense que c'est tout. Sinon, Naomi, pour que le public puisse faire connaissance de toi, s'il y a quelque chose d'autre à rajouter qui a manqué dans ma présentation, n'hésite pas. Alors, pour ma présentation, je pense que ça va. Ça va jusque-là et... je préfère qu'on s'arrête là. D'accord. Okay. Merci Naomi. Alors c'est le moment de la table ronde. On va vite sauter. Voilà, notre moment préféré, nos moments que nous aimons tous, que nous attendons pour débattre sur les sujets du jour. Alors le sujet ou le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la jeunesse congolaise face à la précarité de l'emploi. Je pense que Gracias, comme toujours, nous briefe déjà un peu du sujet, du débat qu'on aura aujourd'hui. Alors, pour commencer déjà, nous allons un peu essayer de plonger dans le défi auquel sont confrontés les jeunes en RDC. Voilà, en ce qui concerne trouver un emploi stable et sécurisé et surtout comment beaucoup luttent contre ça. Parce que la précarité de l'emploi, c'est quelque chose vraiment qui est aussi une vague, une grande vague qui rencontre beaucoup de jeunes. Oui. Et on a tous eu à rencontrer ça évidemment. Ouais, voilà. Alors pour commencer, je pense qu'on doit essayer un peu peut-être d'expliquer les mots précarité. C'est quand même un grand terme que peut-être beaucoup ne comprennent pas. Alors je ne sais pas Naomi, qu'est-ce que tu entends par précarité? Quand je parle de la précarité, en entendant parler de ça et surtout avec les contextes d'aujourd'hui, c'est un manque, c'est l'absence de quelque chose qui est crucial dans un secteur quelconque. Et voilà, avec l'emploi on peut dire c'est l'absence, c'est la difficulté pour le jeune de trouver de l'emploi au sein de notre communauté actuelle. Donc voilà. Alors les filles, Gracias, Prisca, je ne sais pas si Prisca a quelque chose à dire par rapport à l'état précaire. Moi je me dis en soi c'est un état, si je dois le dire vraiment de façon terre à terre, hein, c'est quelque chose qui est assez dépassé pour moi en tout cas. Quand j'entends précaire, c'est quelque chose qui n'est plus actuel. Vous voyez un peu, d'où c'est un peu ça ma définition terre à terre de la chose. Oui, mais c'est aussi quelque chose d'incertain, d'instable, exactement, d'instable qui n'est vraiment pas, qui n'est vraiment pas, qui sait pas faire long feu en tout cas. Et très difficile aussi, hein, on voit aussi la difficulté dans la précarité et le... ce qui est mal en fait, ce qui n'est pas équilibré, ce qui n'est pas conforme, voilà, qui n'est pas conforme. Exactement. Merci les filles. Alors, comment vous pouvez décrire la situation actuelle de l'emploi des jeunes au Congo? En tout cas, c'est un sujet, je me dis... sensible. Sensible. Ah, là, là. Hyper sensible. Sensible, alors. Bien sûr, mais ça fait mal. Oui, c'est vrai que ça fait vraiment mal de voir que notre pays, notre cher beau pays, le Congo, nous possédons tout, je peux dire, nous avons tout avec nous. Quand j'essaye de voir... on est bénis. On est bénis. Quand j'essaye de voir comment les étrangers, quand ils viennent ici, quand ils font leurs visites, ils ont tout leur temps et d'envier. Moi, je me dis, mais ah, c'est cette statuette, moi, j'ai l'habitude de voir ça, mais quand cette personne vient, elle prend son temps, waouh, elle admire, là, elle fait des photos. Elle sait déjà où investir. Elle s'est dit, quand je vais partir avec ces images dans mon pays pour vendre ça, par exemple, elle peut vendre ça cher. Et voilà. Mais nous, nous sommes là, on voit ça tout le jour. Bah, on se dit que ce n'est rien de grave. Mais avec cette situation, je rentre vraiment dans les vifs du sujet. Avec cette situation, ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Parce que notre communauté vraiment fait face à ces défis. Et le tas est vraiment, vraiment down, je peux dire. La situation de l'absence de l'emploi au sein de notre communauté révèle de beaucoup de sous-bassements. Il y a beaucoup de points qui doivent être vraiment très bien éclairés et pris en compte. Plus les jeunes sont victimes. Ça étonne de voir un étudiant qui prend 5 ans, 6 ans d'études, et quand il finit ses études, pour trouver le boulot, c'est tout un problème. Il y a des gens qui ont fait 10 ans de chômage. Ils se retrouvent en train de faire un métier qu'il n'a jamais souhaité, qu'il n'a jamais imaginé dans sa vie. Pas parce qu'il a de potentiel, il a cette capacité ou le talent de le faire. C'est parce que la situation s'est présente comme ça. Et moi, je me dis que c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en compte, que l'État, que nos autorités essayent de se battre un peu pour ça, parce qu'on se dit que la jeunesse, c'est la représentation de demain, c'est la force de demain. Quand je vois les pays étrangers, de l'autre côté, ils s'investissent beaucoup chez le jeune. Tu vas avoir un enfant de 5 ans. C'est l'avenir. Oui, un enfant de 5 ans, sa capacité de réfléchir, c'est tout autre. Ce n'est pas parce qu'il est né génie, c'est parce que les systèmes éducatifs plutôt le développent. Le permis étant petit qu'il est, de voir la vie autrement, il s'est dit que je suis petit et je dois travailler pour ma communauté. C'est ça l'éducation de là. Il s'est dit que je n'apprends pas seul, j'apprends pas pour moi-même, mais j'apprends pour être un élément de bénéfice pour ma communauté. Mais c'est ces manques-là que nous avons. On s'est dit qu'on apprend pour avoir de l'argent. Mais quand on finit nos études, nous finissons nos études, il n'y a pas de l'argent. Ce qu'on nous donne comme système d'éducation, c'est ce que nous mettons en application et ça nous rend paralysé. Donc, et pour rebondir, même ce que tu es en train de dire, c'est ça. Si on vient en comparaison entre un jeune Congolais de 19 ou 20 ans et un jeune d'un autre pays du même âge, on sent tout de suite la différence dans la capacité de réfléchir, dans la capacité de résoudre une situation compliquée. Du fait que le système éducatif, vraiment, mais aussi culturel, ne permet pas le développement des compétences ou de la maturité émotionnelle et intellectuelle du jeune aujourd'hui. Déjà, les parents ont tendance à trop couver les enfants. Ça, c'est en premier lieu. Et tu vois, un jeune de 19-20 ans qui va te dire, oui, c'est vrai que tu es jeune, tu es dans la fleur de l'âge, mais non, je suis trop jeune pour ça, j'ai tout le temps pour faire ça. Ok, tu peux mourir demain, déjà. Oui, l'incertitude du lendemain, le lendemain ne t'appartient pas. Tu n'as pas tout le temps du monde, tu n'es pas trop jeune pour faire ci ou ça, parce qu'aujourd'hui, on a des développeurs chinois de 13 ans, de 15 ans, qui font vraiment des prodiges du côté technologie. Et ils se disent pas qu'ils ont tout le temps du monde. Ce que tu as aujourd'hui, donne-le aujourd'hui. Ce que tu peux développer aujourd'hui, tu le développes aujourd'hui. Et déjà, il y a ça côté culture et côté éducation. L'éducation ne permet pas de former des créateurs, des personnes entreprenantes, ne permet pas de vraiment de former des formateurs. Voilà, on est là à penser, je fais mes études, je fais ça pour gagner mon argent. On n'a pas l'esprit de communauté. On n'a pas l'esprit... En fait, non, je pense que dans les années d'antan, il y avait ça, l'esprit de communauté, notamment dans les royaumes qu'il y avait. Mais aujourd'hui, on est tellement divisé que chacun pense à sa personne, veut se développer. On le voit même dans le domaine de l'entrepreneuriat. Gracia ne va pas dire le contraire. Tout le monde veut être CEO, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être premier, tout le monde veut que son nom soit connu plutôt que de créer un nom commun. Voilà. Et voilà, tout à fait. Donc, vraiment, le domaine de l'emploi pour la jeunesse aujourd'hui est vraiment dans un état délabré parce que on ne fait passer confiance aux jeunes alors que c'est sur la jeunesse que l'on devrait miser. Surtout que la population de la République démocratique du Congo est à plus de 70% composée de jeunes aujourd'hui, de jeunes gens. Donc c'est vraiment une partie de la population sur laquelle miser. Et vraiment, et quand on parle de personnes vulnérables, comme dans la citation de Gracia, vous venez de le dire, même les femmes. il y a majoritairement aussi de femmes sur le territoire que d'hommes. On ne va pas se voiler la face. Donc c'est vraiment des personnes sur lesquelles miser, mais aussi les personnes en moyens, en mobilité réduite. Hein. Les handicapés également. Ce n'est pas des personnes à mettre de côté, c'est des personnes aussi parce qu'elles ont des capacités intellectuelles. Sauf si c'est un handicap de cerveau, on va dire. Mais quand c'est un handicap physique, la personne a toujours la capacité de développer quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Oui, ça c'est important et aussi c'est à marteler. Bien sûr, on a besoin de créateurs, mais on a aussi besoin de personnes qui vont justement aider ces créateurs à concrétiser leur création. Voilà. Donc, on a besoin d'employeurs et d'employés. Et s'il faudrait qu'on revienne à la situation de l'emploi en RDC, il faudrait que l'on s'avoue que cela reste une problématique majeure sur le territoire congolais avec, comme Prunel le disait tantôt, le taux de chômage qui ne cesse d'augmenter, donc ça augmente à vue d'œil, donc cela devient très compliqué pour la population, surtout jeune, la jeune population, puisque c'est la jeune population qui chaque année produit des diplômés, et on parle de beaucoup de diplômés là, qui embrassent directement une vie de chômage, d'où il faudrait, c'est une question à traiter avec beaucoup de sérieux et de considération, puisque je ne sais pas si l'État s'en rend compte, mais chaque année qui passe, les universités, écoles et autres produisent des futurs chômeurs, ce qui ne devrait pas être normalement la logique de la chose. Vous devrez former, ou encore ces établissements devraient former des futurs employés, des futurs créateurs d'emplois et ainsi de suite. Mais la mentalité d'aujourd'hui est que je finis mes études, j'obtiens mon diplôme pour après devenir un chômeur, ce qui n'est pas logique, et en tenant compte surtout que ce phénomène de chômage pousse la majorité des jeunes, puisque la majorité peuvent aller jusqu'à, si c'est petit, si c'est peu, au moins un an de chômage, au-delà, d'où ils ne peuvent pas passer tout ce temps à rester à la maison. Ils sont beaucoup plus donc encouragés à aller vers le secteur informel. C'est bien, je ne dis pas que ça représente quand même une partie du marché congolais, mais il faudrait aussi tenir compte que le pourcentage d'emplois formels est très peu, ou encore il y a la rareté par rapport aux emplois formels, ce qui fait que le chômage ne cesse d'augmenter. Donc il faudrait que, je ne sais pas si c'est l'État qui doit faire quelque chose, ou si ce sont nos employeurs, les employeurs privés tout comme publics, je ne sais pas ce qu'ils doivent faire, mais il faudrait qu'une solution se trouve pour pouvoir justement essayer au moins de réduire, il y a des chômages partout dans le monde, hein, mais au moins réduire le taux, renouveler les entreprises, puisque aujourd'hui les entreprises sont remplies de vieux et de vieux. Alors que l'âge de la retraite obligatoire, c'est 65 ans. L'âge d'admission à la retraite, c'est 60 ans. Mais il y a de ceux qui sont 70 ans, toujours directeurs, chefs de service, ainsi de suite, dans les entreprises. Ça ne peut plus se faire. Il faudrait, à mon avis, en tout cas, il faudrait que l'on commence à faire des vérifications, des suivis des entreprises afin de se tenir informé de la population des entreprises, du nombre d'employés, de leur âge, et afin de préparer ceux qui doivent aller à la retraite, et également de rajouter au fait ceux qui doivent succéder à ceux qui partent à la retraite. Il y a ce problème personnellement, c'est le fait que les personnes qui sont actuellement sur les sièges de contrôle, d'administration des entreprises ne veulent plus se lever du siège. Le siège est collé à leur derrière d'une certaine manière. Ils ne veulent plus bouger, alors qu'ils doivent partir, ils ont fait leur temps. Il faut qu'il y ait cette notion-là je dirais, du passage de la main. Tu passes la main à la seconde, à la génération suivante. Cette notion n'est pas très bien intégrée au sein de nos entreprises congolaises, et voilà pourquoi le taux de chômage ne cesse d'augmenter et de devenir une problématique majeure. Donc l'État devrait certainement intervenir pour essayer de réguler la situation. Sinon, on va tous finir chômeurs ici. Ouais, c'est peine perdue sinon. Merci les filles. En tout cas, je sentis la douleur. La douleur et la peine. Je sentis vraiment que ça ne va pas. Oh là 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 là. C'est vraiment horrible. Et d'ailleurs, tout ça, les manques d'emploi causent énormément de choses, justement à cause de cette précarité. On aura les notions connexes, la pauvreté, l'instabilité, l'insécurité. On sait plein de l'insécurité. Mais tous ces jeunes-là qui sont en manque d'emploi, Après, je n'encourage pas, je ne donne pas raison à ces personnes, mais on va dire que s'ils étaient occupés, je pense qu'il n'y aurait pas autant de taux de délinquance à Kinshasa. On a aussi, voilà, il y a le chômage, évidemment, plein de personnes, le taux de chômage, j'évite de dire le pourcent parce que je ne suis pas très sûre, mais je sais que le taux de chômage est très élevé, aussi élevé qu'il y a des jeunes. Et on a l'exclusion, tout ça, ce sont des causes vraiment de cette précarité de l'emploi que j'espère que le gouvernement, surtout le nouveau gouvernement, fera un effort. Je me souviens de ce qu'avait dit la première ministre, Madame Judith Toulouka, lors d'une table ronde, que l'un de ses soucis, c'est vraiment soulever ce point-là de l'emploi chez les jeunes, essayer de trouver comment soit créer des emplois, soit soutenir ces jeunes qui veulent entreprendre dans différents domaines. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris quoi, 22 ou 20 jeunes lors de la table ronde qu'ils ont soutenu, avec qui on fait des projets, avec de l'argent. Et je pense qu'il faut non seulement... Il ne faut pas dire seulement voilà, donner de l'emploi, mais aussi, comment je dirais, soutenir aussi ces jeunes qui ont des idées. Parce que je pense qu'à force, on veut, en fait, on veut de l'emploi, mais on est plus dans demander de l'emploi. Oui. Sauf que la RDC a besoin de créer des emplois. Oui. Parce qu'il y a des secteurs qui ne sont même pas encore développés, qui sont vides. Et c'est dans ces genres de secteurs que les jeunes qui ont justement des projets dans ce sens-là devraient être soutenus. Comme ça, ces jeunes, s'ils créent une entreprise, ils engagent des gens et ça diminue un peu au fur et à mesure le taux de chômage, chômage et de l'emploi. Voilà. Donc, et sinon, j'ai quelques questions encore. D'accord, je suis moi. Alors, quelles sont les initiatives mises en place pour soutenir l'employabilité des jeunes dans notre pays? Est-ce qu'il y en a? Alors, il faudrait être sincère en tout cas. Nous espérons, comme vous venez de le dire, que ce nouveau gouvernement va songer sur ces points. Déjà, étant soucieuse du changement, j'ai conçu un projet pendant même ma campagne universitaire d'instaurer des clubs des étudiants entrepreneurs. C'est vrai que les étudiants viennent apprendre dans les universités, mais c'est encore meilleur de leur inspirer dans le secteur de l'entrepreneuriat pour permettre en sorte que ces étudiants, quand ils vont finir leurs études, ils n'ont pas besoin de se taper la tête, de se casser la tête, de se poumonner parce que je suis chef quelque part dans dans ma petite entreprise. Et petit à petit, cette personne-là pourra aider les autres à avoir aussi de l'emploi dans sa propre entreprise. Alors, je t'ai dit que c'est intéressant d'instaurer un club des étudiants entrepreneurs qui vont s'est plongé dans l'entrepreneuriat et vont vulgariser cette initiative. Des années à venir, nous allons avoir un jeune étudiant en G1, par exemple, chef d'entreprise, où il a même 5 employés. Et du coup, ça fait qu'il combine et les études et l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est l'idée que j'ai personnellement face aux enjeux de manque de travail, de l'emploi, en fait, dans notre pays. Ça, c'est ce que moi, j'ai pu mettre en application, mais ce que je peux voir au sein de notre pays, au sein de notre communauté, c'est une autre réalité. Les initiatives, en tout cas, je ne sais pas citer, mais j'encourage quand même, je vois, il y a certains jeunes qui se démarquent, qui sont soucieux, qui mettent en œuvre certaines activités pour aider les autres par de formations, c'est vrai, de masterclass, mentorat, ça, ce n'est pas mal. Et j'ai aussi remarqué dans ces masterclass et mentorat, ce sont toujours les mêmes choses qui se répètent. Il n'y a pas de l'innovation, une idée, voilà, mais il n'y a pas l'initiative qui permet, ok, j'ai des idées, mais je commence par quoi? Je vais commencer avec quoi d'ailleurs? La question. C'est ça, j'ai tout. Les idées sont là. Mes idées sont là, j'ai eu à participer à tout ce que tu as organisé comme masterclass, mais je n'ai rien. C'est vrai qu'on peut commencer, comme on dit souvent, avec 0 franc. C'est juste une façon de dire, mais on ne peut jamais commencer une entreprise avec 0 franc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Il faudrait maintenant avoir des sponsors, avoir des investisseurs, avoir des personnes qui se soucient des idées de ces jeunes-là. Et là, ça ne sera pas de personnes extérieures. Ça sera le personne qui dirige notre pays. Il y a un ministère pour l'entrepreneuriat. Il y a un ministère qui est censé accompagner ces genres d'initiatives. Il y a des entreprises, il y a des sociétés, mais qui ne bouge pas jusque-là et qu'on demande d'ailleurs de bouger. C'est bien de dire qu'on accompagne par des activités de sensibilisation, mais c'est mieux d'accompagner à concrétiser les idées. Donc jusque-là, en tout cas, si je peux mettre ça même en termes de pourcentage, les initiatives qui peuvent aider et propulser les jeunes afin d'être entrepreneurs, si sur 100%, je peux mettre... je suis pas méchante, mais 30%. D'accord. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, je suis... oui, d'une certaine manière, je suis pour ce que tu viens de dire. Mais là, la question qui a été posée, ou encore que nos téléspectateurs pourraient se poser, c'est par rapport à la question de l'employabilité. Donc, l'employabilité... c'est en soi une personne qui est employable, donc une personne qui est susceptible d'être employée ou engagée dans, dans une entreprise. Et s'il faudrait parler d'initiatives, moi je dirais que oui, il y a des initiatives qui sont deux fois, qui ne sont pas trop... comment je pourrais dire, non, des initiatives qui ne viennent pas que de l'État, mais il y a des initiatives. L'État a une manière de procéder que j'ai constatée personnellement. Ils aiment se lier de partenariat avec les privés ou encore avec des coopérations internationales. D'accord? S'il faudrait prendre une initiative qui est propre de l'État, il y a la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation qui a été récemment créée. Moi, je dirais que les initiatives, il y en a, mais le problème, c'est au niveau du suivi qui se pose. Puisqu'il y a des idées, ils vont vous réunir, ils vont vous donner peut-être des formations qu'il faut, mais après, où est-ce que ces idées iront? Quels sont, ou encore, quels sont les suivis que l'on va apporter à ces porteurs de projets? C'est là où il y a le gros problème. On prend même un autre exemple. On prend l'exemple des pelouses qui sont le long de la commune de Limété. Vous voyez un peu, il y avait des espaces verts. Ils ont, pour avoir l'initiative d'arranger, ils l'ont. Ils ont arrangé un moment vers la 5e, 7e. Ils ont vraiment arrangé, ils ont mis des garde-fous. Mais aujourd'hui, il faut repasser. Les mêmes herbes qu'ils ont plantées, ça poussait et après ça séchait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de personne, ils ne pensent pas à la personne qui va assurer le suivi de cette idée qui est en train de germer. Et c'est le cas au fait avec les initiatives de la RDC. Par rapport à la formation qu'ils offrent aux jeunes, par rapport à leur employabilité, il y a des formations que deux fois la Banque mondiale et l'Union européenne organisent afin de renforcer les compétences des jeunes. Il y en a. Il y a le partenariat, disons que c'est un partenariat, oui je veux dire partenariat, mais il y a l'espace Campus France que vous connaissez, qui est un service de l'ambassade de France en RDC, sont forcément en collaboration avec l'RDC pour permettre aux étudiants congolais d'aller poursuivre les études en France afin justement d'augmenter leur niveau de connaissance en diverses matières. Il y a également des incubateurs et des start-up aujourd'hui comme je dirais Kinshasa Startup Academy, je pense bien. Il y a également Ishango Center également, qui est un incubateur qui propose des formations, des initiatives pour que les entrepreneurs développent leurs projets ou encore puissent acquérir d'autres compétences afin d'être employables. Mais la question à se poser sur ce sujet, c'est beaucoup plus par rapport au suivi. Ces personnes qui sont envoyées en France, ces personnes qui suivent des formations par l'Union européenne, la Banque mondiale, ces personnes qui suivent ou passent par ces incubateurs, quels sont les moyens que l'État déploie afin d'assurer le suivi des projets de ces personnes-là? C'est la question. On dit que c'est un peu comme quand le projet meurt dans l'œuf, tu vois. Il y a déjà l'œuf, il y a déjà le projet, mais il n'y a pas moyen que ça évolue puisqu'il manque de suivi. Et encore, je voudrais rajouter, c'est exactement ce à quoi je pensais, tous ces projets, et encore énormément de conférences, de rassemblements avec les jeunes, de rencontres entre le gouvernement et les jeunes qui ont créé notamment ces quelques initiatives que Gracia a citées, mais aussi ces incubateurs dans le domaine privé qui s'associent avec l'État parce qu'ils ne peuvent pas se mettre en action d'eux-mêmes. Il faut aussi l'autorisation du pays notamment. Mais le problème qui s'installe ici aussi, c'est que les jeunes ne sont pas informés de la plupart de ces initiatives. C'est pour ça qu'ils pensent qu'il n'y a rien qui est mis en œuvre. Or, il y en a qui en profitent parce qu'ils ont l'information et le problème ici serait juste de plus communiquer sur ces initiatives, de les faire entendre, de les faire connaître dans les universités, dans les vraiment lors des conférences parlaient de ça. Ces incubateurs doivent vraiment mettre l'accent sur leur formation. Je pense qu'aujourd'hui les publicités passent sur nos réseaux sociaux, mais encore il faut être aligné sur la bonne fréquence, avoir le bon fil d'actualité qui te renvoie les bonnes informations au bon moment, parce que tout ce qui se dit, tout ce qui se révèle sur les réseaux ont majoritairement sont axés sur la jeunesse, sur ceux qui sont jeunes, parce que même nos parents n'utilisent pas vraiment les réseaux, ils ne sont pas encore très adaptés à ça, mais vraiment parce que la population est grandement jeune, tout ce qui se dit et se fait est axé sur la jeunesse, mais il n'y a pas assez de communication dessus. Les personnes ne sont pas assez informées sur ce qui se passe et de comment ils peuvent accéder à ces initiatives-là. Ça c'est vrai, vulgarisation de l'information, ça c'est vrai. On a un énorme problème de communication, les infos ne sont pas régulées. On a l'impression que l'on communique à une certaine catégorie de personnes. Voilà, en fait, on sait vulgariser quand c'est des bêtises. Mais parce que si on dit oui, l'info passe, rien que quand il y a quelque chose qui se passe ou ça passe, ça parcourt le monde. Mais quand c'est des choses vraiment utiles, les gens ne partagent pas. Les gens ne veulent même pas regarder les Congolais, n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Toi, t'es jeune, t'as besoin d'emploi, mais tu attends en fait tranquillement chez toi. Toi, l'emploi va venir. Oh, l'entrepreneuriat. Oh, mais non. À un moment, il faut être sérieux. Voilà. Les jeunes aussi sont super fainéants, la majorité. Il y en a qui sont très conscients, très actifs, mais il y en a qui sont encore dans la rêvasse, qui pensent que voilà, la vie, c'est chiller, comme vous aimez dire. La vie, c'est voilà, tu attends, oui, ça va venir, tu déposes ton CV. Et, oui, mais attention, parce que l'avenir professionnel, ça se crée. Et comme je disais au début, le jeune, la majorité, on ne va pas généraliser, mais énormément de jeunes Congolais aujourd'hui se disent tellement qu'ils ont le temps, qu'ils préfèrent être dans l'amusement, dans les futilités, le temps d'avoir accès. Or, le temps d'avoir accès, ce temps-là, il se crée. Il faut une formation, il faut des informations pour pouvoir recevoir le temps. En fait, la chance, il faut se donner la chance. La chance, ça se crée par... on s'investit dedans. Okay? C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus au grand hasard. Tu peux prier de midi à 14h. L'emploi ne va pas te tomber dessus ou les opportunités ne vont pas te tomber dessus. Il faut chercher, aller, creuser, se former et s'informer pour notamment se créer cette petite bulle dans laquelle les informations vont te parvenir pour réussir. Et surtout aussi, ça c'est un problème majeur, surtout par rapport à, aux jeunes chômeurs, je dirais, jeunes chômeurs qui ont peut-être eu leur diplôme il y a 3 ans, 4 ans maximum, qui se suffisent de leur diplôme, ils se suffisent de leur licence, ils se suffisent de leur master, alors que c'est pas ça. Mes études ne vont pas avec ça. Alors que c'est pas ça. Il faudrait savoir que le monde est en constante évolution. Il y a la mondialisation qui aussi est là en train d'influencer le tout, le numérique, le digital. Donc il faut tout le temps faire une mise à jour de ces informations, de ces compétences. Et tout ça là, c'est le travail. J'allais poser question justement, les compétences le plus recherchées dans le marché de l'emploi. Parce que là, tu as soulevé un point. Il faut faire des mises à jour de soi. Un diplôme ne suffit plus. Une licence n'est plus suffisante. Tout ce qui va avec. Alors, quelles sont les compétences généralement cherchées? Alors, par rapport à ça, avant que notre invité réponde, parce que ça c'est universel, c'est quelque chose que j'ai constaté par rapport à toutes les demandes, toutes les offres d'emploi auxquelles j'ai candidaté. Donc, la compétence qui revient généralement, et c'est la compétence la plus importante à mon avis, mais que plusieurs jeunes négligent aujourd'hui au 21e siècle, l'utilisation d'un ordinateur portable. L'informatique. L'informatique en soi. Beaucoup de gens négligent, se disent que c'est juste à l'école, je tape 2, 3 mots et tout. Alors qu'aujourd'hui, tout se fait. Il n'y a plus qui se fait par papier. Il n'y a plus rien qui se fait par formulaire et tout. Tout est digitalisé, tout est via un ordinateur. Mais la plupart des jeunes 21e siècle, 18, 19, 20, 25 ans, ne savent pas utiliser des ordinateurs portables. C'est vrai que je peux prendre la raison de peut-être la situation de la vie, ainsi de suite, mais aujourd'hui, c'est presque partout qu'on peut avoir un ordinateur. Il y a des cyber, il y a des centres de formation, il y a même des bibliothèques où on met à disposition des lecteurs, des ordinateurs. Vous voyez, il y a plusieurs, il y a des formations, mais c'est une compétence que la plupart des personnes négligent, alors que que c'est cette compétence qui est premièrement demandée lorsqu'on veut, candidater à un emploi. Mm-hmm. Donc, ça, c'est ce que je comptais juste éclaircir avant que notre experte rajoute les compétences. Alors Naomi, quelles sont d'autres compétences que tu peux suggérer justement à ces jeunes qui sont des principaux compétences qu'on recherche chez les jeunes lorsqu'ils veulent, lorsqu'ils ont besoin ou ils partent justement pour postuler vers un emploi quelconque? Alors, j'allais commencer par dire que ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend à l'université ne peut pas nous empêcher à nous développer encore, à élargir notre zone. Du coup, je me suis lancée dans le numérique et je veux même travailler, sur ça cette année. Mais je n'ai jamais vu où on m'a formée dans mon université, comment créer une plateforme numérique, tout ça. Beaucoup plus d'informations dans le digital. Ce n'est pas que l'université est limitée par rapport à ça, mais... c'est le domaine que je suis venue chercher, c'est la communication. Bon, on martèle plus sur ça. Et moi, je me dis que si je ne vois pas le numérique, je ne vois pas l'informatique et n'est pas trop primé, ça ne peut pas m'empêcher de sortir à l'extérieur pour me former. Oui. Ce qui fait en sorte que, étant jeune, c'est très important de se former, de s'auto-former. Il y a la formation académique, mais c'est encore meilleur de s'auto-former par la participation de certaines formations, développer ses compétences. Comme je veux dire que présentement, la technologie est en train de battre de l'aile comme pas possible. C'est devenu tellement difficile d'être engagé, étant donné que tu ne maîtrises pas l'informatique, étant donné que tu n'as pas de maîtrise... la langue française, c'est normal. L'anglais aussi. Les gens ont compris que c'est important d'apprendre l'anglais. Tu vas voir quelqu'un qui ne fait rien de sa vie, qui s'assied toute la journée sur une avenue, parle quand même l'anglais, il prend son temps de chercher à apprendre l'anglais. Ça, c'est pas un problème. Mais s'auto-former, c'est dans le sens où je finis, par exemple, dans la faculté des droits. Cela ne m'empêche pas d'avoir des formations sur la prise de parole, d'avoir des informations sur la communication, d'avoir des formations sur le numérique. Alors, les compétences vraiment les plus recherchées, j'allais aussi parler de ça, la présence de l'informatique. C'est très important de maîtriser les outils de la technologie. Même si ce ne sera pas 100%, mais petit à petit, c'est très important. C'est intéressant de voir un jeune Congolais créer une application. C'est une solution par rapport à un problème. Et ce que je sache, il y a quand même des jeunes qui se donnent aussi. Et pour ça, à part... le moment où il faut prendre le temps de maîtriser quand même quelques langues. Il y a l'écriture aussi qui vient avec. Le jeune sent plus l'apparition de certains mots où j'arrive à faire de bref. Je vais prendre le mot peut-être quelque part. Au lieu d'écrire quelque part, je prends K-L-K-L. J'écris ça comme ça, et les abréviations, et ça part comme ça, tu finis les études, tu finis ton diplôme, mais tu es incapable de maîtriser l'orthographe. Alors, c'est très important d'avoir la maîtrise sur l'orthographe, même si on dit qu'il y a la technologie, quand tu cliques quelque chose, ça te sort plein d'idées, et tout ça, mais c'est aussi très important. Il y a des défis, tu es là, tu te dis que je dois travailler quelque part, et là, tu es devant un challenge, où si tu ne rédiges pas bien ton article, tu ne peux pas être employé. Certes, tu maîtrises peut-être l'informatique, tu as la langue dans ta bouche, tu maîtrises très bien la langue française, anglaise, mais tu es incapable de faire un bon rendu. Donc, ce sont aussi ces éléments qui sont très importants pour le jeune, afin d'être compétent pour accéder aux entreprises et sociétés. Donc, voilà. Ça, c'est vrai. Très intéressant. Alors moi, je vais rajouter parmi les compétences, c'est comme on a dit, vous avez parlé de l'informatique, l'anglais est devenu super important. Quand on dit les langues, mais c'est plus l'anglais parce que c'est une langue commerciale, une langue professionnelle, une langue des entreprises. Voilà, parce qu'on est dans un pays où il y a un peu de tout le monde. C'est vrai que, voilà, on ne va pas commencer à parler arabe, chinois, mais je pense que l'anglais, c'est au moins tous les étrangers qui viennent parle anglais, en tout cas pour la majeure partie. Voilà, c'est une langue très commerciale et c'est devenu très important. Voilà, donc quoi d'autre? On a aussi aujourd'hui On a aussi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux rajouter aussi, tout ce qui est communication, tout ce qui est administration, oui, secrétariat. Parce que oui, tu vas aller dans une entreprise, ok, tu as fait peut-être le droit, mais il y a un poste libéré pour tout ce qui est administratif. Oui. Et l'administration, c'est partout. Je pense que c'est partout, c'est dans tout. Peu importe l'entreprise, quel domaine. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est que moi, j'apprécie, il y a des formations. Moi, je pense que même si tu finis les études, peu importe licence, master et consort, c'est toujours important. C'est comme l'avait dit Monsieur Célestin, voilà, le DG d'Equity. J'avais beaucoup aimé parce que j'avais été dans un forum où il était là. Il a dit, il faut toujours faire une mise à jour de soi et tout. C'est pas parce que tu as fait tel que tu vas t'arrêter là. Peu importe le niveau d'études que tu as fait. Et même il a donné son exemple pour moi. Je continue d'apprendre. Je continue à faire des mises à jour. Oui. Il a même dit jusqu'à la mort. Voilà, pardon. La mort. Oui. Oui. Donc, c'est-à-dire, si aujourd'hui tu avais la version, il a même donné l'exemple de l'iPhone. On avait IO, je ne sais pas, 1 ou je ne sais pas, 12, je ne sais pas combien, je ne maîtrise pas. Mais aujourd'hui, on est dans IO, je ne sais pas moi combien. Il suffit que tu passes 2 mois sans faire la mise à jour, le téléphone bug. Donc, il ne faut pas commencer à bugger vers le marché de l'emploi. C'est ça. Donc, il faut voir des compétences. Il y a des formations. Moi, ce que j'aime, il y a des formations dans tout maintenant. Oui, oui. Dans tout. Aujourd'hui, développement personnel, digital, informatique, maîtrise, administration, secrétariat, ressources humaines. C'est important parce qu'aujourd'hui, tu peux aller quelque part. Ah, madame, est-ce que vous êtes douée en ça? Est-ce que... Peut-être c'est que tu n'as pas fait comme étude, c'est pas ce qu'ils recherchent, mais la formation que tu as fait, ça permet à ce qu'on puisse t'engager. Je pense qu'en fait, il faut s'armer énormément pour que quand tu es face, tu viens demander de l'emploi et que c'est une interview, que tu aies des compétences énormes, que tu aies vraiment, comme on dit, tous les boucliers possibles pour justement aller vers ton employeur qui s'est dit non, c'est jeune, il est jeune, mais il a tellement une très bonne expérience, une bonne maîtrise que je vais le prendre. Mais aussi un détail. Un secret qui n'est pas vraiment un secret pour les jeunes demandeurs d'emploi, c'est que on ne va pas demander l'emploi comme va le vent. On cible l'entreprise, on cible le domaine et on se renseigne sur ce domaine. Ça, on se renseigne sur l'entreprise. Voilà, dans quel domaine il fonctionne, comment ça fonctionne, depuis combien d'années. En fait, il faut avoir le maximum d'informations sur là où on veut aller et te positionner par rapport à ça. Ça éveille, en fait, ça éveille l'attention de l'employeur lorsqu'il t'entendra parler de l'entreprise, pas de toi. Parce qu'ils entendent les gens parler d'eux à longueur de journée et à un moment, c'est pas très intéressant. Mais pour captiver l'attention de l'employeur, il faut parler de l'entreprise où tu viens postuler. Ou si tu sais quelle personne va t'interviewer, si tu connais le directeur des ressources humaines qui va te recevoir lors de l'interview, tu lui parles de lui. Tu fais des recherches sur son expérience, sur ses expériences. Tu fais des recherches sur la personne, sur là où il a travaillé. Ah oui, vous avez travaillé. Vous savez, tel domaine, moi, ça m'a toujours intéressé, même si en vrai, ça ne t'a pas intéressé. Mais tu t'y intéresses. Question de t'informer. Oui, tu veux maximiser tes chances d'être pris. Et en même temps, ça te donne... Oui, en même temps, ça te donne de nouvelles connaissances. Oui, ça te donne de nouvelles connaissances. Donc, c'est vraiment... Tu es le gagnant dans l'affaire, mais incroyable. C'est important, en fait, aussi, surtout par rapport au fait que c'est vrai que il y a des emplois qui peuvent chercher de tout. Il y a des entreprises qui peuvent lancer des offres d'emploi dans tous les domaines. Oui. Mais il y a un truc que je n'encourage pas les futurs employés d'entreprise ou encore les jeunes qui sont en recherche de travail, c'est de postuler partout. Dans tous les domaines. Donc, toi, tu ne regardes pas. Oui. Toi, au fait, dès qu'il y a emploi, là, tu postules. Là, tu mets la tête. Balayeur, là-bas. Mécanicien, tu dis. C'est vrai peut-être que tu essayes de maximiser tes chances de trouver un emploi, mais tu risques de trouver un emploi qui tape à côté avec tes compétences, ton parcours, qui tape vraiment à côté. C'est vrai qu'on a toujours besoin de rajouter des compétences, de s'informer, mais tout doit se faire dans la suite logique de ton parcours professionnel. Oui. Tu dois d'abord chercher à te dire quel parcours professionnel tu veux avoir. Tu veux travailler dans l'administration, ok. Cherche maintenant à faire des renforcements ou des mises à jour par rapport à des domaines connexes qui sont liés au domaine principal que tu envisages. Tu vois un peu administration, donc tu te renseignes un peu sur le numérique, sur saisie, ainsi de suite. Ce sont des domaines, d'autres domaines. mais des domaines connexes, donc qui peuvent avoir un lien avec le domaine phare que tu envisages. Commencez par vous fixer un parcours professionnel. Essayez un peu de voir dans quel domaine vous aimeriez évoluer. Vous voyez un peu, ça va vous permettre non seulement de ne pas vous dispatcher, mais de maximiser vos compétences en un domaine précis. On a besoin d'experts et les experts sont surtout d'experts dans des domaines précis. Je ne suis pas expert en tout, il n'y en a pas. Il y a toujours d'experts en médecine, experts en informatique, experts en éducation. Et pour devenir expert, il faut maximiser les expériences ou encore les compétences sur un domaine précis. Exactement. Donc, c'est important de dicter cela aux chercheurs d'emploi. Essayez de vous fixer un domaine précis, un domaine sur lequel sera basé votre parcours professionnel afin de ne pas vous dispatcher. Et après, par rapport au fait des jeunes qui parviennent à trouver des entretiens et après les foires, je ne comprends pas comment ils arrivent à faire ça. Moi, j'ai déjà eu à écouter des anecdotes de mon employeur qui disait qu'il y a des personnes qui venaient candidater. Tu viens postuler dans une entreprise. D'accord? Mais tu sais rien de l'entreprise. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu ne sais pas l'entreprise est spécialisée dans quoi. Tu ne connais pas le domaine de l'entreprise. Tu ne sais rien de rien, mais tu viens quand même à un entretien d'embauche. Moi, je trouve ce genre de candidat ou ce genre de situation comme étant des pertes. Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui aimeraient être à la place de ce candidat qui a eu la chance d'arriver jusqu'à un entretien d'embauche. Il y en a beaucoup de plus compétents. Mais si c'est tombé sur toi, c'est pour une bonne raison. Donc, quand tu parviens à arriver à cette étape, vends-toi. Tu dois te vendre, tu dois au fait te rendre employable, tu dois au fait faire en sorte que l'entreprise dise que « Ah, toi là vraiment tu dois entrer ». Et comment faire ça? C'est non seulement en vendant tes compétences, mais en montrant que tu te renseignes sur là où tu veux avoir l'emploi. Voilà. Ça leur aussi donne, aux employeurs, ça leur donne aussi une certaine garantie en se disant qu'on emploie quelqu'un qui ne sort pas de n'importe où. On emploie quelqu'un qui s'est déjà renseigné sur nous, d'où son adaptabilité, ça sera plus facile. Donner à l'employeur durant un entretien tous les arguments possibles afin de vous retenir, vous et pas une autre personne. Et c'est malheureusement cet aspect que beaucoup de jeunes néglige. Renseignez-vous, n'allez pas aux entretiens, c'est ça. Après on dit qu'il y a eu je ne sais pas qui, alors que le propre sorcier de ta vie c'est toi. Renseigne-toi au mieux avant de passer des entretiens d'embauche et surtout candidate à des postes qui correspondent à ton objectif professionnel. Ne t'éparpille pas parce que ça va t'attirer que des problèmes supplémentaires. Donc, c'est ma contribution. Okay. Alors, je crois que j'ai une dernière question avant qu'on puisse finir avec la table ronde. Alors, quelles sont les difficultés spécifiques rencontrées par les jeunes femmes dans la recherche d'emploi? On va parler des femmes parce que c'est pas évident. Quand on voit jeunes, on a les hommes et les femmes, mais généralement les femmes, c'est encore aussi plus difficile. Et quelles sont les difficultés d'après toi? Alors, d'après moi, les difficultés, d'abord, c'est... Moi, je vais définir ça de deux côtés. Il y a d'abord la partie de la candidate qui se présente et la partie de ce qu'elle rencontre. Donc, il y a l'intérieur de la personne qui vient se présenter et il y a les défis qu'elle vient trouver. Je trouve ça inapproprié pour une personne d'oser et après de perdre la confiance. Plusieurs personnes échouent lors des entretiens. Pourquoi? Il y a des moments de piège. On essaye de voir si tu as un mindset efficace. Et du coup, tu perds le contrôle. Donc, du coup, il y a deux facettes. La facette où d'abord, je me présente, mais je me dis, je suis une femme, na mekaka kaso eko simba. C'est bête. Moi, je dis que c'est bête. Pourquoi? Tu es une femme, tu prends la décision de postuler quelque part. Il faut aller avec cette motivation jusqu'à la fin. Peu importe les questions qui peuvent bouleverser ou qui peuvent effrayer, il faudrait toujours rester toujours bien braqué là. Donc, il peut se faire le même jour où tu viens de poser ta candidature, on essaye de voir, ok, parce qu'il faut savoir ce qui est déjà vu, que les femmes ont un mindset faible. Quand c'est une femme, je vais la dire 2, 3 trucs, on dit que les femmes, c'est l'oreille. Donc, c'est quand tu la parles à l'oreille, tu lui dis quelque chose, c'est ça sa faiblesse. Donc, tu peux la décourager parce qu'elle peut entendre de toi. Et moi, je me dis que ce n'est pas une bonne chose. Déjà, personnellement, étant que femme, quand tu te présentes quelque part, peu importe, on te dit que là-bas, il y a 70 hommes, tu es la seule candidate, il faut y aller. Parce que je me dis que ce n'est pas la personne, ce n'est pas le genre qu'on recherche. Ces personnes-là ont besoin de rendu. Et c'est les cerveaux qui fonctionnent. Et moi, je me dis, les cerveaux de l'homme et les cerveaux de la femme, il n'y a pas de réduction. Dieu a créé, si c'est 100% chez l'homme, c'est pareil que chez la femme. Donc, du coup, personnellement, d'abord, il faut toujours être... encourager personnellement, n'est pas attendre qu'on t'encourage, parce que les personnes à l'extérieur peuvent te dire, mais là où tu parles là-bas, déjà de un salaire, ils allaient bien, déjà de deux, bah, minimiser tout. Ils peuvent changer leur manière de faire grâce à toi. Donc du coup, il faudrait toujours rester confiante quand on se présente lors des entretiens, lors des dépôts des candidatures. Il faudrait toujours rester positif, peu importe ça marche ou pas. Tu restes positif, c'est là, oh ça n'a pas marché, je continue ailleurs. Et là où ça va briller, ça brille. Donc d'abord, la première facette, personnellement, il faut avoir un mental. Avoir un mindset vraiment équilibré, prêt à tout écouter et à tout assumer. Et la deuxième partie, ça d'abord c'est les défis personnels que les femmes rencontrent. Et les défis extérieurs, c'est d'abord de 1, le dénigrement en fait. Ça c'est partout, ce n'est pas seulement dans les entreprises, c'est dans tous les secteurs. Je peux même donner mon exemple, je me suis présentée la seule femme dans la course des élections dans mon université. Et pour me décourager, on a dit que tu es une femme. Je me dis, c'est quoi être une femme? Comme c'était un découragement. C'est un découragement. Oui, je dirais que c'est un défaut. Ça, oh, je ne sais pas. C'est ça, en fait. Maintenant, ça dépend de comment toi, tu vas concevoir ça. Moi, je dis, ok, pour les autres, c'est un défaut. Mais moi, je vais rendre ça une qualité. Je n'ai pas fait la campagne du genre, les femmes, nous devons nous lever, tout ça, tout ça. J'ai dit, je suis celle que je suis, j'apporte ça, 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 et j'ai besoin de vous. Donc du coup, je ne me suis pas penchée pendant qu'il se disait qu'elle est une femme, qu'est-ce qu'elle va apporter, on peut la décourager à tout le temps. Et j'ai eu de découragement, là c'est vrai. J'ai vraiment été découragée où tous les candidats sont assis là et presque tout. Ils te font asseoir, mais voilà, tu es intelligente, c'est vrai, mais voilà, laisse juste, donne à telle personne. Je dis, ok, maintenant pourquoi moi je dois laisser pour que je donne à cette personne? C'est ça. Alors que c'est un homme, c'est vrai, il a un cerveau, j'ai un cerveau. Chacun a ses objectifs, allons-y, que le meilleur gagne. Et je peux dire, le courage, en tout cas, ça paye. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais ça paye. Donc, la première facette, il faudrait vraiment être déterminé. La deuxième, c'est qu'on rencontre les dénigrements. C'est vraiment presque partout. Tu es une femme et tu ne peux rien donner. Et la deuxième partie, quand on voit une femme, on voit directement la partie sensuelle. Donc, waouh, Azanata Kitoko, hein. Elle est, elle est comme ça, elle est comme ça. Toi, tu viens avec l'idée de postuler, ça marche pas. On te prend en aparté, on te dit, bon, ok, on a écouté tout ce que tu as dit, mais fais juste ça avec moi et voilà, tu seras employé. Et du coup, moi, je me dis, même si on t'employait, tu seras utilisé au fait. Quelle sera ta valeur? Quelle sera ta valeur? Quand tu seras juste là pour... exécuter, c'est vrai qu'en employeur, on exécute, mais on donne aussi des propositions. Même tes propositions ne seront même pas prises en compte et tu perds toute ta dignité. Donc, il y a ces défis-là. Quand on voit la femme, on voit que non, je peux juste m'amuser avec elle, je peux juste la demander de faire ce qu'il faut, coucher avec elle, par exemple, et du coup, c'est fini. Voilà. Elle va céder. Donc, on voit la faiblesse chez la femme. Donc, quand tu te présentes, on te montre que tu es faible et que tu peux céder à tout. Et voilà. Des parties que je peux définir jusque-là. Oui, donc voilà, je pourrais juste rassembler tout ce que madame a dit. Le premier défi auquel fait face la jeune femme, en tout cas dans le monde de l'emploi, ce sont les personnes de mauvaise moralité. Tout simplement, les personnes de mauvaise moralité qui vont déformer l'image et même voire rabaisser l'intellect de la personne qu'est la femme. Mais ensuite, c'est causé aussi, ça va aussi à l'encontre avec la culture, hein, on va dire. Dans les années d'antan, c'était la femme ne va pas à l'école, elle reste à la maison, la femme n'a pas besoin de travailler, son travail c'est la maison, c'est l'homme qui s'occupe d'aller chercher l'argent en extérieur. Quoi qu'il ne faut pas oublier que c'est vrai, le travail à la maison pour les femmes ménagères, c'est un travail à temps plein et extrêmement épuisant. C'est vraiment un vrai travail qui d'ailleurs mériterait un salaire. Mais le travail, cela n'empêche que le travail en extérieur, en entreprise, est une capacité, une possibilité que la femme peut aussi engager et ne devrait pas du tout être dévalorisée. Elle est autant être humain que l'homme, elle a un cerveau qui tourne, elle a des rêves, des objectifs à atteindre, etc. Et vraiment, j'encourage tous ces hommes-là qui permettent à leurs épouses, leurs compagnes, de vraiment réaliser leurs rêves, leurs objectifs qu'elles veulent atteindre. On voit, s'il faut donner un exemple, enfin exactement à la tête du pays, on a notre première ministre aujourd'hui qui vraiment a été soutenue tout le long de son parcours par son mari. C'est vraiment bizarre. En fait, c'est même, ça devrait pas aujourd'hui, à cette ère, ça ne devrait pas être des actes à féliciter. Non, ça devrait être la normalité du fonctionnement de deux êtres humains qui s'accompagnent, qui cheminent ensemble jusqu'à la fin de leur vie, peut-être. C'est ça. Autre chose et que oui. Quand tu as parlé des, justement des CIF dames, lorsqu'elles partent postuler, il y a des hommes qui essaient d'en profiter. Mais si on voit ça, on voit ces types d'actes faire vague, c'est aussi parce que certaines femmes permettre ça. Elle cède. Et moi, ce que je vais dire à toutes ces jeunes femmes, jeunes filles qui sont en ce moment au chômage ou à la recherche d'un emploi, la passion, c'est quelque chose et qu'il ne faut jamais donner ton corps pour avoir un travail. Gagner dignement, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, cette personne, voilà, oui, tu lui donnes ton corps, tu es dans l'entreprise, mais demain, ça sera une autre jeune qui va venir. Et s'il y a un problème, tu ne pourras pas lui dire, lui donner ton avis. Tu seras comme un pion et il peut te virer à tout moment. Et ce n'est pas intéressant. Je pense que peu importe combien tu as besoin d'un emploi, ça, ce sont justement des tentations, des défis, hein, que sûrement la vie te fait face. Voilà, des embûches comme ça. Bah, remets-toi en Dieu, c'est important. Et que tu es jeune, donc tu auras sûrement beaucoup d'offres. Il y aura... La vie est grande, donc c'est pas parce que tu rates, si tu rates cette occasion, que c'est la fin du monde. Non, je sais qu'on a tous besoin d'emploi. Voilà, on a besoin d'argent, les situations sont difficiles, mais tu n'es pas à vendre, ton corps n'est pas acheté en échange d'un quelconque emploi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'allais dire. Ça, surtout aussi, par rapport, toujours dans la continuité de ce que tu es en train de dire, il est important également pour ces femmes qui sont à la recherche d'emploi de ne pas se rendre vendables. Voilà. De faire attention. Là, quand je dis ça, je ne suis vraiment pas contre les féministes. Vous disposez de votre corps, vous vous habillez comme vous voulez. Les féministes, moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. D'ailleurs, j'acclame l'initiative. Mais il faudrait... que pour une femme congolaise qui cherche l'emploi, non seulement en tant que femme, mais également en tant que congolaise respectant nos traditions à nous, tu devrais faire attention lorsque tu te présentes devant une autre personne en vue d'obtenir un gain, en vue d'obtenir un travail. Il faudrait savoir que chez nous, ça a toujours fait palabre chez nous. L'accoutrement d'une femme est très important. Très important. C'est très important. La manière dont tu te présentes est très importante, puisque par ta manière d'être ou de t'habiller, tu peux réveiller quelque chose en face de ton interlocuteur. Tu peux réveiller quelque chose à l'intérieur de ton interlocuteur. Tu peux l'inciter à faire quelque chose par ta manière de parler, de te présenter ou de t'habiller. Tout est communication. C'est ça, au fait. D'où la femme qui part à un entretien d'embauche ne se présente pas avec une mini-jupe, ne se présente pas avec un décolleté. C'est vrai que peut-être pour toi, tu es à l'aise avec ton corps, aucun problème. Mais il faut te poser la question, c'est quel message que tu envoies à ton interlocuteur, tout en sachant que les hommes sont hommes et que l'homme, d'une certaine manière, c'est d'abord l'instinct primaire. La première pensée qui viendra dans sa tête lorsqu'il verra sa poitrine, c'est pas que c'est joli, c'est pas que ça a une bonne forme, c'est autre chose, c'est l'intention qui va susciter après tout ça. Il faut qu'on voit ta tête. Il faut, voilà. Il faut que tu fasses en sorte que lorsque tu vas te présenter devant l'employeur, qu'il te voie, qu'il voie ton cerveau avant de voir tes seins ou encore avant de voir ton derrière. Ça, c'est important. C'est vraiment important pour les femmes. Et mis à part cela, vu qu'on parlait de difficultés, il y a la discrimination de genre qui est malheureusement une réalité dans d'autres entreprises. Il y a les préjugés sociaux sur les femmes, comme Madame l'a dit, femmes, sexe faible, ainsi de suite, alors que vous ne savez pas que la dénomination de sexe faible a été employée dans un contexte précis. Et ce n'est pas dans le contexte de mental ou d'intellectualisme. On est tout aussi fort que les hommes niveau intellectuel. Qui sait peut-être plus, tu vois, un peu le quotient intellectuel d'une femme et elle a un cerveau plus grand, scientifiquement prouvé. Donc tout ça pour dire que ces préjugés là normalement n'ont pas lieu d'être, mais c'est présent et on doit faire avec. Ce sont les difficultés des femmes. Et mis à part cela, Il y a également une autre difficulté pour les femmes, disons, bon, principalement c'est les deux, je ne veux pas m'attarder sur autre chose, donc discrimination de genre, oui. Et aussi un dernier, c'est l'accès limité aux domaines tels que, aux domaines qui sont dominés par les hommes, tels que les domaines d'ingénierie, architecture, ce genre de domaine-là est généralement très... très conservatoire au niveau des hommes, en fait, que les hommes dans ces domaines. D'où les femmes, généralement, ont très souvent du mal à trouver des emplois dans ce genre de secteur. Malheureusement, je me demande pourquoi ça persiste encore jusqu'à ce siècle, alors qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup d'expériences qui prouvent que les femmes peuvent tout faire, niveau professionnel, niveau mental, elles peuvent tout faire. D'où elles devraient avoir les mêmes chances que les hommes d'obtenir les emplois qu'elles envisagent. Donc, c'est ça un peu. Merci. Quelque chose à rajouter, Naomi? Pour ces points, ce que je veux dire, on peut t'employer même si tu n'as pas un grand CV, mais ça dépend de comment tu t'es vendu. Voilà. Donc, il faut d'abord, comme j'avais dit, il y a deux facettes. Il y a la confiance en soi. Quand on sent que que ça surpasse pas, que ça te surpasse pas tout exténué. Mais au moins qu'on sente que non, la personne est vraiment sûre d'elle. Elle est fière de ce qu'elle est, même si ça marche ou pas, elle n'a rien à perdre. Mais quand tu montres que je suis prête à tout, si vous me demandez, donc quand tu montres déjà cette partie que tu es prête à tout, c'est maintenant par là, tu es désespérée. Et voilà, même si la personne ne voulait pas s'hasarder de tenter sa chance, mais il sait que non, je peux tout tenter. Alors, comme je dis, il faut très bien se préparer mentalement et voilà, subir tout ce qui va arriver. Ça marche, on applaudit, ça marche pas, on continue. Voilà. C'est la vie. C'est la vie. Merci les filles, je pense qu'on va mettre fin à cette table ronde. D'accord. On a consommé assez de minutes, même si c'est un sujet qui est très vaste et tout très sensible qu'on aimerait creuser, mais le temps, malheureusement, fait défaut. Mais merci pour vos interventions. Merci Naomi. Merci beaucoup. Voilà, merci les filles pour vos arguments, pour avoir participé à cette table ronde. Merci chers téléspectateurs d'être restés jusqu'à la fin. Merci en tout cas. On reçoit votre force, hein, vos ondes positives envers nous. Alors, pour chuter, comme j'avais dit au début, on a le conseil du jour et ça me sera dit par toi. En tant qu'invité, quel conseil tu donnerais à ces jeunes comme nous, qui nous suivent, nos chers téléspectateurs, ces personnes qui sont sûrement découragées avec tout ce qui est précarité de l'emploi, qui sont à la recherche et consorts. Quel petit conseil en quelques minutes seulement tu peux leur donner avant de mettre vraiment fin à l'émission? Alors, chers jeunes que nous sommes, parce que je suis jeune, nous connaissons les enjeux actuels dans notre pays. Mais nous n'allons jamais changer notre sang. On peut changer de nationalité, mais on n'échange pas son sang. Nous sommes Congolais et nous devons contribuer pour le développement de notre pays. C'est bien de travailler pour soi, mais c'est encore meilleur de travailler pour sa communauté. Pour les personnes qui ont déjà la grâce et la chance d'apporter un plus, faites-le très bien. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore eu cette grâce et cette chance, il ne faut pas désespérer. Pourquoi? Parce que peu importe la durée de la nuit, la matinée, toujours va apparaître. Alors ce que je peux dire aux jeunes, d'être soudés. Tant qu'il n'y a pas d'union, même s'il y a 1000 projets sur la table, 1000 investisseurs, on ne va pas briller. On n'est pas là pour prouver à qui que ce soit que je suis meilleur que l'autre, mais on est là pour s'y compléter. Alors qu'il y ait plus d'union entre nous, qu'il y ait de l'accompagnement d'abord en interne, nous les jeunes, qu'on s'aime, qu'on s'accompagne et plus que tout, soyons soudés. Soyons objectifs, soyons motivés et restons positifs. Merci. Merci, quel bon discours, hein? La présidente. La présidente, hein? Merci Naomi pour ces précieux conseils qui vont justement faire profiter nos chers téléspectateurs. Voilà. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux, la Congolaise 2.0, Instagram, Facebook, Twitter. Et nos liens sont disponibles sur YouTube, dans la chaîne des télévisions, Congo Buzz TV. Et suivez-nous aussi chaque week-end, samedi et dimanche à 19h35 sur Congo Buzz TV, sont diffusées nos émissions. Portez-vous très bien. On se dit donc à très bientôt, la semaine prochaine, pour un tout nouveau épisode pour vous édifier comme toujours. Passez une très bonne soirée. On se dit donc à bientôt. Au revoir. Au revoir.